Bonjour à tous, c'est Sniper. Allez, je vous présente aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale. Un combo bien particulier que vous n'avez pas trop l'habitude de voir et que vous verrez peut-être pour la seule fois et unique fois en vidéo, enfin sur mes vidéos, c'est Birdo en motomac. Alors pourquoi j'ai choisi ce combo, allez savoir, c'était juste pour... j'avais envie un petit peu de m'amuser. Et donc j'ai choisi ce petit combo. Alors vous avez vu un petit peu en musique des passages bien épiques sur d'autres courses qu'on a fait. Et puis là je vous montre par contre quelques courses en entier qui m'a semblé vraiment, qui étaient vraiment assez épiques de bout en bout. A commencer par ce N64BC. Avec mon nouveau style de jeu. Allez, un petit jeu à la Moto Kusanagi, Eva 07, un petit peu de schlag. C'est pas du brutal violence, c'est gentil. Voilà. Et donc, 8ème pour commencer. 7ème maintenant, allez, on va faire le cut. Alors, je me prends un petit peu volontairement ces bananes là, puisque de toute façon, je sais que j'ai un doré pour repartir. Mais vous allez voir que c'était sans compter sur ce magnifique build qui vient me poutrer comme il faut. Alors, pour tous les joueurs débutants qui regardent mes vidéos, vous allez m'entendre très souvent utiliser des termes que vous ne connaissez peut-être pas. Donc j'ai décidé que bientôt, dans mon prochain épisode de Étudions MKOui ensemble, je ferai un petit lexique afin d'expliquer tous les termes, ce qu'ils signifient, c'est-à-dire dodger, backspam, troll, lag, schlag, etc. De manière à ce que vous puissiez un petit peu mieux comprendre, parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Voilà, et après c'est un petit peu plus compliqué pour comprendre ce qui se passe. Allez, alors par exemple, le dodge, voilà, ça c'est un dodge, ça veut dire que j'ai évité l'éclair grâce à mon build qui était activé. Puisque quand on est dans le build, l'éclair ne vous touche pas, donc c'est ce qu'on appelle dodger, éviter. Voilà, vous verrez un petit peu plus tard, je vous mettrai ce lexique dans ma prochaine vidéo sur Étudiants MKOui. En attendant, ce dodge m'a bien été efficace, puisque là je fais un peu n'importe quoi, puisqu'il me permet quand même de passer en première position avec mon Birdo dans un monde quand même assez relevé, puisqu'il y a quand même vraiment du beau monde. Il y a quand même Storm qui est là, Hades, de bons joueurs, je pourrais plus vous dire exactement, Daou qui me suit de près. Là, vous allez voir que je vais pas forcer le jeu et ni le destin pour passer absolument premier. Lui, il cherche absolument à gagner, à me pousser, quitte même à perdre. Moi, j'ai pas envie de me prendre ses bananes dans ses bananes. Donc voilà, démon qui était là, vous avez vu, je vous laisse regarder les noms. Donc moi, je me suis pris le mur à la fin, parce que j'ai pas envie de me faire avoir par les bananes qu'il avait aux fesses. Vous avez vu déjà faire deuxième... dans un monde pareil avec Birdo et de toute façon vu le nombre de points que j'ai, c'était pour moi suffisant. Et puis j'étais parti dans un esprit de jeu, donc je cherchais pas forcément à faire des résultats fantasmagoriques, on va dire. Allez, Sniper, il aime bien faire cette faute en ce moment, j'arrête pas en ce moment de faire cette faute, ce cut. Et puis alors, le grand cut, n'en parlez pas, c'est encore pire. Puisque avec Birdo, il n'y a pas moyen, j'ai pas réussi à le passer une seule fois. Voilà. Allez, 11ème. Ça fait un petit peu comme sur la course d'avant, où vous avez vu que j'étais 11ème pour démarrer le deuxième tour, et puis que j'ai fini quand même deuxième à la fin. Bah là, c'est un petit peu pareil, regardez, je suis à la rue. Sauf que quand on a de bons items, ben ça aide bien pour remonter. Et puis bien sûr, faut pas faire ce genre de faute. Là, sans cette faute, ça aurait été un petit peu mieux. Mais vous allez voir que malgré tout, regardez, vu que je viens d'envoyer le choc, les joueurs qui sont quand même devant vont rester rétrécis assez longtemps, alors que moi, je suis en bill et que j'y rattrape. Donc regardez comme je refais du terrain.
C'est tout l'avantage de Mario Kart, qui est quand même étudié un petit peu pour ça, même si des fois les items sont pas super intéressants et sont pas géniaux. En attendant, c'est quand même toujours étudié pour que chacun puisse avoir la chance de rattraper les autres. Vous avez pu remarquer au passage, là, pendant que j'étais en train de faire le cut, vous avez pu remarquer que Quentin était venu lui aussi en Birdo. Alors j'ai trouvé ça rigolo parce que deux Birdo dans un monde comme ça, c'était plutôt marrant. Alors vous avez vu, hein, je suis volontairement allé poutrer Thruster. Ouais oui, je suis en mode attention, j'en ai un petit peu marre qu'on me schlag, je vais un petit peu aussi faire pareil. Donc puisque tout le monde aime bien me schlaguer pour passer dans mes vidéos, et ben maintenant moi je vais faire une autre système, c'est pour que vous passiez dans les vidéos, c'est moi qui vais vous schlaguer. Vous passerez aussi, hein, ce sera pareil. Alors pauvre démon qui se prend une petite bleue juste, allez on va dire 3 secondes après que je me sois pris la mienne. Et c'est quand même pas de bol pour lui. Et là du coup je vais quand même en profiter pour me retrouver en troisième position. Alors je pose pas mal de bananes parce que j'ai envie d'un petit peu faire payer Daou un peu sur certaines petites choses. Parce que vous avez peut-être pas fait attention, mais sur le 64 BC, il a essayé de me rouger quand même quand j'étais premier au moment du pot à la fin, sauf que sa rouge a été tapée dans un mur vraisemblablement. Alors que moi, au moment du pot, j'avais envoyé ma verte en avant pour pas lui backspam. La différence. Allez, maintenant une course. Je crois que pratiquement toutes les courses que je vous montre là, c'était les courses qui se suivaient presque. Je suis plus sûr, mais en tout cas, c'était une session qui a duré à peu près une heure. Donc en même temps, c'était des courses assez rapprochées. Et puis, alors un doré sur cette map, ça peut être quand même très utile si on les utilise au bon endroit. Et là, je suis sous la menace d'une rouge. Allez vite, il faut que je l'évite. Et j'arrive quand même à l'éviter. Je crois d'ailleurs que c'était encore Daou qui a essayé de me rouger encore une fois, décidément. Quentin devant, et oui, les Birdo sont en forme puisqu'elles se retrouvent comme ça. Et puis là, regardez, je sais pas trop ce qui s'est passé. En attendant, je passe en première position, c'est super avec mon petit Birdo. Et il y a aussi Quentin avec Birdo qui est pas trop loin derrière. Allez, une rouge, j'arrive à l'envoyer dans la branche. Pour le moment, tout va bien. Je suis encore en bonne position. Je fais pas trop de conneries. Ça peut aller. Natsumi qui me suit. Et la bleue. Dommage, dommage. Allez, c'est pas grave. Il va falloir remonter ça. Natsumi en profite pour passer en tête. Je sais pas s'il avait une petite rouge et qu'il m'a fait la fleur de pas me l'envoyer. Mais en attendant, il est devant. Et moi, je vais passer en deuxième position. Puis regardez ce petit combo là. Alors bien joué, hein, ce joueur qui me envoie cette verte. Mais c'est un peu dommage parce que dans l'histoire, ça fait les affaires de Natsumi qui vient de se prendre le petit combo bleu plus choc. Mais du coup, qui arrive à repartir quand même en première position un petit peu grâce à ce joueur qui m'a snipé. Puisque sinon, je pense que j'allais passer en tête. Et donc, me voilà en cinquième position. Que faire? Bah, 3 champis, c'est pas mal, comme je vous ai dit. Il y a des bons joueurs, donc il faut... Et regardez ce passage. J'ai envoyé mes champis. Et puis, les joueurs se sont tous schlagués, se sont tous fait des vacheries. Et du coup, j'en ai profité pour passer en tête. Et me voilà donc repasser encore en première position. Décidément, que de chance dans ces courses. Vous verrez que bientôt je vous montrerai une vidéo avec des courses bien moins chanceuses que celle-ci. Mais malgré cette magnifique chance et opportunité qu'on m'offre, eh ben je peux pas m'empêcher. Il faut que je gâche le tout, regardez ça. Je gâche bêtement et du coup voilà la victoire qui s'envole au détriment et en faveur plutôt de Totob. Bien joué à lui, mais en attendant, je reste un petit peu... avec un peu d'amertume sur cette course. Mais j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Voilà, puisque j'ai mal joué.
Allez, Daou qui me fait du rentre dedans, qui essaye de... Je sais pas ce qu'il essaye de faire, mais en attendant, tiens, prends ça. Allez. Ne croyez pas que je lui envoie personnellement, hein. C'est qu'en même temps, c'était des petites batailles, des petits duels, des fois qui peuvent être intéressants et sympas à montrer aussi. Il n'y a pas qu'avec Daou, j'ai eu des petits duels. Il se trouve juste que là, à ce moment donné du jeu, c'était deux ou trois courses où j'étais... où j'ai fait pas mal de choses avec des petites batailles principalement avec lui. Mika qui vient, qui danse là, qui est un petit peu... Alors il était tout content, il m'avait rougi alors que j'étais en zap, bravo. Et en plus moi je lui envoie les rouges là et il a de la chance que les rouges viennent taper sur une banane qui traînait au sol, du coup il l'a pas pris. Encore une fois, regardez, je partais pour aller faire le cut et puis puisque j'étais 8ème, je chope une bleue, alors ça c'est pas trop top. Pourquoi je vous montre cette course, j'en sais rien. Sonic qui arrive devant, FS Sonic, je sais plus ce que j'ai fait comme résultat, je pourrais pas vous dire. Attendant, j'ai une étoile. Est-ce que j'ai encore Dodge un choc? J'en sais rien. Attendant. Je suis là, je vais combiner avec une deuxième étoile, là, il me faudrait aussi un item, là, ce serait bien. Allez, trois champis, bon, je viens déjà de combiner deux étoiles. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas encore eu le choc, c'est vraiment dommage, puisque je me serais retrouvé quand même en position très favorable si le choc était tombé. Et puis là, c'est une faute de ma part, j'avais pas envoyé le champi, c'est pas volontaire, j'ai pas voulu garder ce champi là, mais la rangée d'items d'avant, j'aurais dû... envoyer ce champi, sauf que j'ai eu un petit bec de cerveau à ce moment là. Eh oui, c'est dû à mon grand âge. Un pot à ce moment donné, c'était un petit peu dommage. J'avais encore un champi quand même. Et regardez un petit peu comment les joueurs remontent. Ça va vite hein, dans ce genre de situation. Et heureusement que j'ai trois champis. Ça arrive quand même à finir en quatrième position. Vous avez vu comme ça va vite à la fin. C'est impressionnant comment ça remonte vite. GG Natsumi qui a gagné cette course. Mais vraiment, ça va vite après. Hein. Je crois que c'est la dernière course de la vidéo. Avec des moments bien marrants aussi. Alors, des joueurs que je connais pas trop. Hein, Maxime devant. Il y a Ekor qui est là. Alors Ekor, oui, je crois que Ekor, je lui en voulais un petit peu, il me semble. Je suis pas sûr que c'était sur cette vidéo. Eh oui, je suis comme ça. Je vais être rancunier sur l'instant, je vous rassure. Pendant une session, le lendemain, j'ai complètement oublié. Je suis pas du tout comme ça. Donc en fait, je suis pas tant rancunier que ça. Mais quand il y a des joueurs qui me prennent pour cible un petit peu en début de session. Ah oui, bah voilà, c'est ça. Et d'ailleurs ça va me tuer mes courses de vouloir absolument lui rendre la monnaie de sa pièce. Puisque en fait oui il m'a fait une vacherie sur le pic des cas un petit peu avant. Et du coup j'avais envie de lui rendre. D'ailleurs regardez, je m'arrête en espérant avoir trois rouges à lui envoyer. Et puis eh ben non, il faut qu'il y ait un joueur qui vienne derrière m'enlever le petit plaisir de le sniper ou de le schlaguer. Dommage. En attendant, je vais être encore en 9ème position et bon, on peut remonter sur ce genre de map, hein, il suffit d'avoir des bons items. D'ailleurs, vous allez voir que au début, j'ai des items pas très cool, vous avez pu vous en rendre compte, et puis là, ça va un petit peu mieux. Ah, j'essaye absolument de toucher les corps, j'avais l'impression de l'avoir touché, et puis en fait, vous l'avez vu, hein, je lag trop, il est reparti devant. Alors cette étoile là on va attendre un petit peu, je pense pas que le choc va encore tomber tout de suite, ça devrait pas trop tarder mais pas encore maintenant. On va attendre un peu, par contre là ce serait bien de combiner parce qu'il y a de fortes chances que j'ai encore un autre item pour Dodge. D'ailleurs regardez, je vais envoyer mon build tout de suite, j'attends pas. Et on est quand même à la fin du troisième tour donc il y a de fortes chances que je Dodge et c'est ce qui se passe. Et regardez ça un peu, je passe en première position. Et puis Ekor qui arrive à me pousser un peu. Alors étrangement vous avez vu cette rouge là qui l'a pas touché. Et il en envoie une en avant. Et puis regardez, il va en avoir encore une. Alors en fait je fais une faute là parce que j'étais surpris de voir qu'il avait encore une rouge à coller aux fesses.
Et merci à Daou qui me rouge encore vers la fin, mais du coup, bah, il a payé. Puisque lui aussi s'est fait rouger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!